بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكونتينيو شابيتلو بان حديث جيفير جوجي دونك نو غيت ان حديث كي امبورطون دون بان اصول دون بان ريغلمون دون بان باز دين سيرتو كوتي فقه. Donc hadith 1833 وعن أبي ثعلبة الخشني rapporté par un sahabi qui appelle Abu Tha'laba, il appartenait à la tribu de Al-Khushani. Ce cognia c'est Abu Tha'laba, son nom c'est Jurthum ibn Nashir radiyallahu anhu. Il rapporté عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نجيه إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala fin institué, fin prescrire ban faraz. Faraid, c'est pluriel de farida, ça veut dire ban quelque chose qui est obligatoire. Alors là, nous profitons l'occasion, nous regrettons ban ahkam. Ahkam, c'est pluriel de hukm, ça veut dire ban règlement qui est là dans nos dîn, dans nos sharia, dans nos fiqh. Le na fard, fardun, qui veut dire faraz, ça veut dire l'obligatoire pour faire. Et si un dimon fait l'idée, définitivement, il bougain beaucoup savoir. S'il n'est pas fait l'idée, il bougain péché. Pas faire un faraz, c'est un péché. Maintenant, wajib. Wajib, il pareil comme un faraz. Ça veut dire, nous pouvons traduire l'idée par obligatoire, nécessaire. Ça aussi, si pas faire, il y a un péché. Alors, ban ulama, ban aïma, mujtahidin, et dans certains fin dire, comme par exemple, Imam Ahmad, et ban les autres, Imam Shafi'i, qui fard avec wajib pareil. Mais Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, nous, mazhab, nous dit que fard avec wajib, tous les deux obligatoires, mais il y a une différence. Fard plie là-haut, qui fait parce que fard l'établit pour une preuve qui qat'i. Qat'i veut dire une preuve qui est claire, qui est directe, depuis dans le Coran, avec depuis dans un hadith qui est mutawatir, qui est indiscutable. On appelle lui comme ça. Par exemple, fait namaz 5 fois par jour. L'éclair. Ben, a discuté l'eau-là. Garde rosa, ramadan. L'éclair. Donne zakat. L'éclair. Fait hajj une seule fois, minimum une fois dans la vie pour ceux qui sont capables. Donc, ça, c'est ben, ça fait clair. Ben, a discuté, ben, faraz. Et encore, ben, les autres faraz encore. Par contre, wajib, il est obligatoire, mais seulement, preuve-là, il n'est pas clair, il n'est pas qat'i. Il est sujet à discussion. Un dimon, un parmi les mujtahidin capable de trouver les faraz, obligatoire, un capable de trouver les pas faraz. Par exemple, dans ma zwitre, nous, par exemple, nous, mazhab, trouvons qu'il est wajib, alors que les autres trouvent les sunnat. Donc, ce sont des implications aussi différentes, pas pour gagner le temps, rentre dans le détail. Donc, nous avons faraz, wajib, obligatoire. Si fait, il gagne beaucoup de sawab, si pas fait, il gagne péché. Et quand on fait faraz, il gagne plus de sawab qui ban les autres, nafil et sunnat, tout ça. Maintenant, ce qui sunna, ce qui mandoub, comme on nous dit, alors il y a plusieurs mots pour ça, ce qui sunna, ça veut dire ce qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il recommandait. Donc, celui qui fait ça, il peut gagner beaucoup de sawab. Celui qui pas fait, il n'est pas pour gagner péché, mais seulement celui qui tourne sur les deux de façon systématique. Là, ça dit, mon là, il faut tif, il peut gagner péché. Par exemple, il y a un sunnat mu'akkada. Ça veut dire, un sunnat dans lequel il y a beaucoup l'emphase. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup l'emphase. Les sunnat, si un dimon est dans difficulté, il n'est pas capable, ok, il laisse, il n'est pas pour gagner péché. Mais seulement, systématiquement, par négligence, par paresse, soit il dit, ça, il dit, sunnat, ça, il n'est pas faire, ça, dimon, là, il gagne péché. L'exemple, ça, 12 sunnat qu'il n'a pas au jour, par exemple, dès avant Fajr, dès après Zohar, dès après Maghrib, dès après Isha, il y en a 4 avant Zohar aussi. Donc ça, si un dimon, il tourne les dos, comme ça même, les là, non, il n'est pas bon. 20 rakat tarawih, par exemple. C'est lui qui tourne les dos comme ça même, sans raison valable, et par risque, tout ça n'a pas de raison valable. Ça. Donc, c'est lui qui tourne les dos, les fautifs. Après, nous gagnons Mustahab. Mustahab, c'est, il y a un degré plus bas qui sunnat, mais il est recommandé. Ça veut dire, si nous pas fait Ali, il n'y a pas de problème du tout, mais si nous fait Ali, il est beaucoup plus bon. L'autre côté, nous avons Haram. Haram, comme on vous trouvait tout à l'heure, c'est une quelque chose qui Allah fin défend. Et il est clair dans Sharia. Pareil, ce preuve, li qat'i depuis le Coran, ou soit depuis dans un hadith qui est clair. Pas gain droit faire ça, pas faire ça, pas faire zina, pas boire l'alcool, pas coquin, pas engage dans l'usure, l'intérêt. Ben, quelque chose qui est haram. Donc ça, nous reste loin. C'est lui,
qui reste loin de puis Allah pour récompense lui. C'est lui qui rentre là-dedans, c'est lui qui fait lui. Alors, il pour un péché et il pour besoin faire taouba. Et là, makrouh, un degré plus bas, makrouh, makrouh veut dire détestable. Alors, nous, mazhab, contrairement à les autres mazhab, nous différencions entre deux qualités makrouh, tahrimi avec tanzihi. Tanzihi veut dire léger. Tahrimi, on trouve ça le mot tahrim là-dedans. On trouve ça ha, ra avec mim là-dedans, les sorties dans haram. Makrouh, tahrimi, pareil, comment tu fais une différence entre fard avec wajib? Ici aussi, nous faisons une différence entre haram avec makrouh, tahrimi. Makrouh, tahrimi, il n'est pas bon, il n'est pas fait même. On dit qu'on peut faire les bougains péchés. Seulement, étant donné qu'il y a une preuve là, pas clair, clair, direct, direct dans le texte là. Les sujets à discussion. Alors là, nous pas dire qu'il est haram. Nous dire qu'il est makrouh tahrimi, mais ça veut dire qu'il ne vient pas faire. Là, nous avons makrouh tanzihi, c'est une affaire qui, les bons nous évitent, si nous faisons des efforts en plus nous éviter, nous pouvons savoir. Si nous ne faisons aussi, il n'est pas un péché. Là, nous avons ce qu'on appelle mubah. Mubah veut dire permettre. Ou envie faire li ou faire li, ou pas envie faire li ou pas faire li. Pena, péché, pena non. Alors nous retournons dans nos hadiths. Donc ça nous prend 1-5 minutes pour rappeler nous-mêmes les différents ahkams qu'il y a. Comme ça nous connaissons, quand nous stand vis-à-vis ban pratique tous les jours. Alors, inna Allah farada fara'id, Allah subhanahu wa ta'ala fin établir ban faraz. Fala tudayyouha, n'a pas néglige ça. Tudayyouha veut dire, comme on dit, fait une façon qui nous perdit, qui nous ratli. N'a pas ratli, n'a pas néglige li. Ça, c'est ban responsabilité en musulman. L'exemple, comme on dit, t'allais là, namaz, rosa, ramadan, hajj, au moins une fois dans la vie du monde, zakat, sili malik et nisab, et na soban faraz vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, soban faraz vis-à-vis lui-même, les besoins, prend compte lui-même sur l'écho par exemple, faraz vis-à-vis ban les autres du monde, ban responsabilité vis-à-vis ban les autres du monde. Wa hadda hududan, et Allah subhanahu wa ta'ala, fin établir ban hudud, c'est pluriel de had. Haddun veut dire un limite, un boundary. Et Allah fin met ban limite, fala ta'taduha, n'a pas dépassé sa ban limite, là, n'a pas transgressé. Li. Et dessine la ligne là, n'a pas dépassé la ligne là. Alors qui veut dire ça? Hadda hududan veut dire li fin met ban quelque chose dans une façon, dans un quantité ou soit dans une façon faire, par exemple si nous avons un rite spécifique dans nos sharia, peut-être ban sharia avant tu peux faire différent, c'était là dans nos sharia ali comme ça. Par exemple, nous ne fait que faire des rakat namaz faraz, namaz fajr. Si un dimon est dans josh, il dit moi pas assez faire des, laisse-moi faire encore. Il fait quatre, il sorti en deux quatre. Ça dit mon là ne fait péché. Qui fait? Parce qu'Allah sur had, sur limite ce qui fajr faire. D. Si Zohar lui dit, mon fatigué, je dis, laisse-moi faire 10 D. Non. Il fait 4. Donc, comme ça, il respectait, ben, quelque chose, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il dit, et il y a une place dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, tilka hududullah, ça, c'est ban, ça, c'est Allah sur ban limite. Fala ta'taduha, alors, n'a pas dépassé sa ban limite là. Et dans les autres places, il dit, fala taqrabuha, n'a pas accosté même près avec sa ban limite là. L'exemple, nous, dans la période Rosa, Allah subhanahu wa ta'ala l'expliquait dans le Coran, garde Rosa depuis le subh al-sadiq, le matin, jusqu'à ce que le soleil finisse coucher dans le soir. Et, wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, mangez bois, jusqu'à ce qu'ils soient capables de différencier entre 10 fils blancs et 10 fils noirs. Fajr, ça veut dire 10 fils blancs, 10 fils noirs, c'est ça, la ligne blanche qui paraît dans l'horizon là, c'est ce qu'on appelle as-subh as-sadiq, c'est l'air sahri comme on a habitué dire. Après Allah dit tilka hududullah, limite ça avec une série ban les autres principes tilka hududullah. Alors si un dimon il dépasse l'air sahri, il en coupe manger, il en coupe boire, qu'il en fait, il transgresse Allah sur limite. Et il y a beaucoup de dimon qui dit non, mais Allah comprend non, ça un gosse de l'eau qui est là, non, ou qui pas comprend mon frère. Allah n'a pas clair ça sur limite ça. Allah met limite là. Si vous partez garde rose là aussi, vous t'y bien Allah vous comprend non? Non. Ou bien comprend Allah sur limite, n'a pas costé avec sur limite. Comme ça encore, il y a beaucoup de limites qu'il mettait. Par exemple, limite entre ou avec ou frère en islam.
Il y a une limite que tu ne peux pas dépasser. Limite entre où avec pas de péché. Il y a une limite que tu ne peux pas dépasser. Donc, il y a une place qui dit la ta'taduha, n'a pas transgressé. Et la place qui dit la taqrabouha, n'a pas costé même avec ça. Et là, nous gagnons un parmi ma définition taqwa. Qu'était ça? C'est qui dit mon là, il prend beaucoup de précautions pour ne pas dépasser la limite là. Tellement il prend précaution, là, il rentre dans quelque chose qui appelle la loi ra'a, qui il reste loin des limites là, en telle façon, c'est qui entre lié avec sa limite là, entre lié avec rebond précipice et une longue distance. Sa longue distance là, halal ça. Il quitte ce qui est halal, pas fait rien. C'est ma pouvi, mon patom de haram. Donc là, nous gagnons du monde qui n'a pas taqwa. Alors Allah, sur une limite, donc il finit institué sur une limite, n'a pas transgressé. Après, il dit, wa harrama ashiya. Et il finit faire certains, ben quelque chose, vin haram. Haram qui veut dire, nous gagnons le mot haram là-dedans. Haram, qui veut dire haram? Haram, Makka. Ça veut dire là-bas, premier mot qui vient dans nous la tête quand nous pensons haram, c'est sacré. Ça se fait là, il est sacré. Ça veut dire, quand là-bas, il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire. Un autre règlement appliqué là-bas. Un autre territoire, ça. Un autre territoire, ça. Quelque chose qui est haram, ça veut dire qu'un démon il rentre là-dedans, il rentre dans l'autre territoire là. Il rentre dans quelque chose qui Allah fait défendre de rentrer. Pareil comme un les rois, comme dans l'autre hadith mentionné, donne-nous ça l'exemple là. Un les rois, il a sa propriété privée, il met un barrage là. Qui on fait? On saute barrage. Là, problème. Donc, il est lié avec ça. Had qui nous a mentionné tout à l'heure. Donc, c'est ça, ban had là, c'est ban limite là. Qui fait différence entre ce qui est halal avec ce qui est haram. Donc ce qui est haram, nous connaissons qu'ils ont fait qui est haram. Nous avons man qui man péché, donc man qui grand, appelle ça man kabira. Par exemple, shirk, faire tout le monde, battre le monde, désobéir à parents, pas comporter bien envers parents, engager dans l'usure, dans l'intérêt, et ainsi de suite. Coquin, man a fait comme ça, man grand péché, il y en a plusieurs, il y en a certains, oulama, il mentionne. 70, et n'a fait une mention par centaine. Après, n'a un petit péché, quand nous fait stirfar, y aller. Pas de grand péché quand une fait, bien fait taouba. Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner. Et si ça va un péché là, il implique droit, ben, les autres démons, alors, bien faire réparation vis-à-vis ça les autres démons là, des dommages, et bien présenter excuse envers ça va démon là. Donc, wa harrama ashiya. Allah fait une fait haram, certains vont quelque chose. Fala tantahikuha. Et n'a pas violi, ça veut dire n'a pas transgressé, n'a pas rentré dans sa bande territoire haram là, n'a pas sorti en déocade, n'a pas fait péché. Hadith continue, wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan. Et Allah lui fait rester tranquille. Sakata veut dire il pas fin dire non, yé. Concernant certains bande quelque chose, rahmatan lakum, pas rahmat pour autres, pas miséricorde pour autres. Ghayra nisyan, sans qu'il finisse oublié. Allah subhanahu wa ta'ala, jamais l'oublié. Donc, il y a un élément, un quelque chose, Quran, pandianoye, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pandianoye, lola, qui nous fait? Les haram, les halal, qui y était? Alors, al-aslu fil ashiya al-ibaha. Un principe de base, c'est que tout quelque chose, sur base, sur l'originalité, c'est qu'il y permet. Tout quelque chose permet, tout quelque chose halal, excepté ban quelque chose lors lequel il y a ayat Coran ou soit il y a texte, il y a hadith depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui ça pas bon, ça pas fait. Comprends bien, hein? Et la fois, du monde comprend l'islam dans façon contraire. Et là, je trouve les difficiles. Comment dire, dit là, tout quelque chose pas gain droit. Tout quelque chose haram, pas gain droit. Un des affaires ou gain droit. Non, c'est pas ça. Le contraire qui veut. Tout quelque chose permet. Aussi longtemps qu'il pena un texte, pena quelque chose dans Sharia qui vient dire qu'il n'est pas bon. Ou envie de faire des affaires, pose-vous question. Sharia permet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit là qu'il n'est pas bon? Non, pas de rien. Ok, mon frère. Finalement, la très grande majorité demande quelque chose dans la vie du monde halal. Excepté, bien sûr, ce qui Sharia vient dire quelque chose là. Fin mettre un hukm. Donc, tout majorité, comme tu dis au commencement, moi tu mentionnes, un parmi les ahkams, c'est al-ibaha, mubah, c'est-à-dire permettre. Ou envie faire ou faire, ou pas envie faire ou pas faire. Majorité là-dedans. Là, après, on gagne haram, c'est pas macro. Et bien sûr, dans ce qui mubah là, il y a une bonne quantité, il y en a plus beaucoup encore qui
comment dire, mustahab qui sunnat qu'a offert ou gagne beaucoup sawab, dépendant bien sûr avec l'intention, l'intention avec laquelle offert. Donc tout quelque chose halal, tout quelque chose permet d'accepter ce qui est un texte. Par exemple, un texte in vini, une dire boisson alcoolique pas bon. Donc me dire il est pas bon. C'est là mon gars, un zi devant moi. Est-ce qu'il m'a besoin? Mon gars, un zi manque devant moi. Est-ce qu'il m'a besoin de texte dans le Coran pour dire qu'il a un droit boisson manque? Est-ce qu'il m'a besoin de un hadith pour dire qu'il a un droit boisson manque? Non. Pour assurer qu'il peine non, il y a là-dedans peine l'alcool. Peine non, il est haram. Hein? Ok. Donc Bismillah mubo. Est-ce qu'il m'a besoin de guetter si pas Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il désaboise? Non. Parce qu'il laisse la porte ouverte. Est-ce qu'il désaboise briani? Non, il n'a jamais l'in mangé. Il peut pas faire, non, il dit pas non, peut-être nous manger. Oui, si un dimon y a le rodé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si content mange ça. À cause de si content mange ça, laisse nous préparer, lui nous manger. Ça, une autre affaire, ça, une sunnah. Une autre affaire, ça, une action muhabbat, ça, ça, il vous gagne beaucoup savoir. Alors, il y a une mauvaise conception, venue surtout le certain bid'a là, il y a des gens qui traitent ce frère en islam de bid'a, bid'ati, bid'ati, pas dans l'enfer. Qui faire? Parce qu'il peut faire des affaires qui peinent dans le hadith. Mais il n'y a pas besoin de venir dans le hadith. Du moment qu'il y a quelque chose là, peine à noyer dans le hadith, que ce soit dans le Coran qui vient en pesli, il y a un droit à faire, il n'y a aucun problème là-dedans. Bien sûr, il y a une exception là, l'oban ibadat. Là, nous pouvons rentrer dans ce que nous trouvons, ban, hudud, ban. Limite qui Allah fait mettre. Dans l'ibadat, ou besoin faire exactement comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit. Ou pas qu'un droit invente un ibadat, par exemple, là, là ou dire, non, mais pas dire, non, il compte, laisse-moi faire. Non, dans l'ibadat, règlement là différent. Dans l'ibadat, il faut délivrer un texte. Dans le Coran, nous sommes dans la pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons important de mentionner ici, غير نسيان. Allah pas n'oublié. Alors là aussi, il y a les autres, il y a qui dit, mon rentrer. Comment dire, je pensais qu'il nous dit un manquement là-dedans. Ma'ad Allah, ça est important de nous comprendre. Les jeunes, ils vont comprendre ça. Car il faut mettre poison dans la tête. Comment dire, dit là, il a commencé 1400 années avant. Il n'est pas appliqué pour nous l'époque ça. Ma'ad Allah. Alors ici, nous avons la technologie, nous avons, appelle ça moderne. Je t'appelle dit là, rétrograde. Ça veut dire, dit là, il fait face à un dilemme là. Quand il est dans masjid, là, les musulmans, là, comment dire, ils retournent 1400 années avant. Quand il y a dans ce travail, ou soit quand il y a dans la vie moderne, mettez en guillemets, là, ils trouvent les difficiles pour sortir ce din, c'est-à-dire, ils quittent din là, ils quittent din là, la case, là, les laïcs. Ça, c'est un erreur. Nous din, il y a quelque chose pour dire, là, n'importe qui détail qui est là. À cause de ça, nous ne sommes pas capables, c'est pas din avec la vie d'unia. Dans n'importe qui sphère, même si demain on prend une fusée, on a l'eau la ligne. Là-bas aussi, on a dit. Là-bas aussi, l'islam, il y a quelque chose pour dire, il fait provision pour tout ça là. L'islam, il fait provision pour jusqu'à dernier jour, jusqu'à Kayamat. Jusqu'à dernier dimoun qui peut vivre. Ben, nouveau masla qui vient, par exemple. Je donne l'exemple cigarette. Pas tiens la cigarette dans l'époque Coran, tu peux révéler. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais, din sharia il y a provision là, il y a une affaire qui appelle qiyas, mais pas pour 40 demandes de détails pour sur le fait. Nous appliquons un règlement là, là nous avons trouvé que cigarette là, c'est haram ça. Oui, il y a des gens qui disent cigarette macro. C'est vrai qu'il y a une fatwa qui émet que cigarette existe macro. Mais sa cigarette qui est macro là, c'était 106 par 150 ans de cela. C'était pur fait tabac ça. Alors, je ne trouve pas bon, c'est moi, je ne peux pas dire qu'il est haram. Trouvez là, nous retournons le ça. Ce qu'ils m'ont dit là. Il y a un texte clair dans le Coran avec dans le Hadith pour dire qu'il est haram. À cause ça, je dis qu'il est makrou, mais tahrimi. Vous faites lui ou un péché. À ce là non, aujourd'hui, pas makrou, tahrimi, non, il est haram même. Qui fait? Parce qu'il n'est plus rien à faire tabac là-dedans. Il n'y a pas moins de 4000 poisons là-dedans. Un dimoun prend poison, il est halal, ça. Haram. Donc, il prend poison, il peut mettre dans l'écho. En même temps, il y a gaspillage, il y a pollution, il y a un tas de choses encore. Donc, nous disons, il y a quelque chose pour dire, l'eau tous fait, nous, la vie. Donc, côté mariage, côté business, nous, Islamic Finance, il est plus avancé et il est beaucoup plus juste que ce système injuste capitaliste qui est là aujourd'hui là. Côté politique, côté scientifique, alors, nous besoin apprendre. C'est nous, ben, pionniers dans beaucoup de domaines scientifiques, dans mathématiques, dans l'astronomie, dans la science, dans la médecine. Nous besoin connaître, nous, ben, nous, la main qui nous fait. Nous finissons par une base. Après, mon kafir européen, quand je suis sorti dans une barbarie, dans une dark ages, le Moyen-Âge, là, je suis coquin ça, depuis nous, je suis médecin, le autre nom.
Là, nous, nous croyons que c'est eux qui finissent tout ça. Peut-être que nous développons plus un peu récemment, là, mais nous sommes qui sont les leaders là-dedans. Premier du monde qui finit envolé, premier du monde qui finit inventé l'hôpital, comment nous trouver à ce là. Donc tout ça, là, nous sommes. Et nous, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, pas oublié. Alors, un des bonnes fonctions, un des bonnes réquisites pour un du monde, pour un prophète, parmi là-dedans, c'est qui elle établir. Ça veut dire qu'il finit transmettre le message. Pena n'a rien qui ne manquait là-dedans, pena n'a rien qui ne bliait là-dedans. Tout prophète qui venait, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit faire ce travail. Ça veut dire, nous pas gagner le droit de dire qu'il y a un prophète, mais il n'y a pas de réussir à vivre assez longtemps pour lui transmettre ce message, ou soit ça lui manquait, ou soit ça lui bliait, pas exister ça. Sinon, il n'est pas prophète. S'il y a un prophète, il finit faire ce travail. Bien, donc, pena nissian, pena, nous dit pas de quitte n'a rien, nous dit qu'il complète, nous amène lui avec nous, quand nous aller. Quand les autres pas prennent la réponse, nous, nous prenons la réponse. Si moi, personnellement, je ne connais pas, je dis, je ne connais pas. Mais il ne faut pas me dire, non, je dis, je ne peux dire là. Non, je dis, je dis, il y a quelque chose pour dire là. Moi, je ne connais pas. Laisse-moi demander ce qui connaît. Donc, ce hadith-là, c'est un hadith important. Et un dernier bout, nous terminons. Rasoul, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin reste tranquille, c'est un quelque chose. Et Rasoul sallam dit, Fala tabhathu anha. Alors, on n'a pas le droit de lire. Alors là, il y a un warning contre un quelque chose, comme on dit, on dit, on rentre trop dans le fond dans un quelque chose. Alors, on a un détail en plus qui n'est pas utile. Quand il est utile, il est bon. Mais c'est moi qui n'est pas utile. Par exemple, Rasoul sallam dit, Bizan fait hajj, hajjin vin faraz. Un dit, on demande, tous les années, nous bizan fait hajj, il reste tranquille. Il redemandait encore, il reste tranquille. Quand il redemandait encore, là, là Rasoul sallam dit, si moi dis oui là, qui arrivait? Une façon, on peut traduire, hein, pas exactement ce mot. Si Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam dit oui, est-ce que tout le monde n'a pas besoin de faire hajj tous les années? Alors il reste tranquille, il est bon comme ça. Rahmat pour nous, ça. Il n'est pas obligatoire. Si on vit ou qu'on avale tous les années, bien bon. Mais si une femme réussit à faire, au moins, responsabilité est déchargée. Comme ça encore, il y a beaucoup de choses. Nous avons l'exemple Bakara, Banu Israël. Déjà, je te fais Zabah une vache. Je te pose la question comment elle était, qui couleur elle était. Finalement, elle est tellement difficile qu'ils ont gagné beaucoup, beaucoup de difficultés. Et beaucoup de gens ont payé pour gagner sa vache-là. Donc, pas pose la question comment le Coran dit nous. La tas'alu an ashia in tubdalakum. Comme n'a pas le demande de quelque chose. Et si je peux gagner cette information-là, il vous faire le même dito. Donc, n'a pas rentre devant quelque chose qui par concerne nous. Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous permission. Rasoul sallam, il donne permission. Nous prend permission là tranquille. Nous pas à fatigue nous-mêmes. Nous pas à route dans les complications. Tout le temps, quand on a des options qui halal, nous choisir ce qui est plus facile là. Donc, ça, ce hadith-là, il est considéré comme un ban ulama, comme un hadith important dans, au sol al-fiqh, dans ban base de la jurisprudence. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit, fait nous comprendre nos affaires comme un bizin, et qu'il tient nous depuis dans nos pièces, qui a fait nous mettre nous devant nos pièces, devant de l'incompréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taufiq pour tout le temps établir nos faraz, comme Ali content, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait nous, qui nous respectait sur nos limites, nous pas coster même avec nos limites là, qui nous reste loin depuis nos haram, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veste sur rahmat l'on nous. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.